Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir. C'est le retour de Tour of Five Live, le show de Cruiserweight. Eh oui, on y est, c'est maintenant, c'est tout de suite, la salle est pleine. On l'a attendu, nous sommes à Cincinnati, Ohio, pour le retour des poids moyens de la WWE. On est chaud. On l'a attendu. On attend du grand spectacle ce soir. Et on commence avec le bad guy, le japonais Hideo Itami, ancien NXT champion dans le mode univers. Il nous vient de Tokyo au Japon. Il a notamment été à Raw également, hein, dans le mode univers, où il a fait une rivalité avec Cesaro, qui a été élu rivalité de l'année. C'était en 2016. Non, 2017. C'était en 2017. Et ça a été... Waouh. Pas les mots pour décrire la puissance de cette rivalité. Hideo Itami est depuis à Tour 5 Live. Que va-t-il se passer ce soir? Qui va-t-il affronter? Ça va être la surprise, hein. On n'a pas le plan des matchs ce soir. On sait que le champion sera là, TGP. On sait pas quand, mais en tout cas ce sera peut-être pas maintenant, car on accueille tout de suite le Mexicain. C'est Kalisto qui arrive, mexicain contre japonais. Et ça promet d'être extra Lucha House Party bien présente ce soir. Fiesta. Ah là, c'est carrément un match intéressant. Hein. C'est deux styles différents, le style japonais et le style mexicain. Ça peut donner un match de fou. Et match de fou, on adore ça. C'est parti pour ce premier match ici, hashtag 205Live, pas @. Les fans scandent Hideo alors qu'il est hué. Il a quand même certains fans. Hideo Itami sans chasse sur Kalisto. C'était joli ça. Et le kick sur le torse. Hideo Itami avec le coup de pied. Clairement sur le coude. On rappelle, samedi soir, en direct, 21h pétante, NXT TakeOver War Games 2 sur le mode univers, dimanche soir, également, à 21h, disponible à 21h, et non en direct, il y aura les Survivor Series du mode univers, tentative de tomber un, dégagement. Et à 20h, sera disponible le kick-off des Survivor Series. Autant vous dire que ça va être du très très bon. Et vous pourrez retrouver mardi soir SmackDown Live. Tentative de tomber un. Ben simplement un. Pas plus, simplement un. C'est déjà pas mal en vrai. Un. C'est déjà bien. Et le coup de coude de Kalisto. Et allez, ça enchaîne. Et s'enchaîne. Il se fait projeter dans les cordes. Il passe par-dessus Kalisto. Regardez la puissance de Kalisto. Un rakanrana sur Hideo Itami. Oh my god. Il y a du bon dans ce match. Il y a du bon. Il se fait projeter dans le coin. Oh, Hideo qui a loupé son coup de genou. Il retourne Kalisto. Il le ramène vers le centre du ring pour une tentative de tomber. Un dégagement. Simplement un. Encore trop tôt. Il n'y aura que 3 matchs lors de Two of Five Live normalement. 3 matchs à chaque show. Car il n'y a pas énormément de superstars en réalité. Attention, regardez. Ah non. Oh là, Kalisto, c'est pas possible. Pas ce qu'il a fait là. Ah, c'était pas beau à voir. Clé de bras, clé de tête plutôt.
de la part de Callisto sur Hideo Itami, qui maintient la prise pour l'étouffer un peu, pour lui couper le souffle, pour prendre l'avantage clairement. Hideo qui le projette. Et le coup de coude de Callisto qui revient bien. Oh, joli Inzaghi de la part du Mexicain qui nous vient de Mexico City. Callisto, oh, kick dans la face. Ça passe bien, c'est rapide. Tentative de tomber de Callisto. 1, 2, et non, simplement 2. Encore trop tôt. Et allez, les fans qui scandent Lucha, Lucha, Lucha. Callisto, prise de finition, allez. 1, 2, et 3, Callisto qui bat Hideo Itami. Ce soir à toi, Five Live. Mexico City, Mexico. Callisto remporte son match. Et c'était nice, ça. Et c'était nice. Belle victoire de Callisto. Après cette prise de finition hein, qui met KO l'adversaire totalement. Hein. Callisto qui est peut-être un futur WWE Cruiserweight Champion. En tout cas, lors de NXT War Games 2, on aura le NXT Champion TGP qui est présent ce soir face à Cedric Alexander samedi soir. Soyez au rendez-vous, ce sera en direct. Et ça va être fou. Ça va être fou. On espère. Hein. On espère que ça va être fou. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais je sens que ça va être du bon. Callisto, vainqueur ce soir pour ce premier match. Ici, à 205 Live, le retour du show des Cruiserweight. Olé! Voici un tout nouveau du côté de 205 Live. Il nous vient de Chicago, Illinois, Mustafa Ali. Un très très grand talent cet homme. Dans la réalité, il est phénoménal, il n'y a pas d'autre mot. Il est tout simplement incroyable. Et dans le mode univers, il fait ses débuts ce soir, on va voir, on va voir. Et c'est un nouveau ça apparemment. Eh oui, un nouveau British. Tyler Bate. Qui sera également du côté d'NXT. Eh ouais, il va être sur les deux rosters. Lui, NXT et 205 Live. Le British Tyler Bate. Un très très grand talent lui aussi. Si vous ne le connaissez pas, il n'est jamais trop tard pour apprendre et regarder les matchs qu'il a fait dans la réalité, notamment face à Pete Dunne, car il n'y a pas de mots pour décrire le talent de Tyler Bate. C'est tout simplement du British Strong Style, pur et dur comme on aime. Et on va voir si ce soir il va nous montrer son British Strong Style face à Mustafa Ali. Et peut-être qu'un jour, un des deux sera champion Cruiserweight. Et pourquoi pas en 2019, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Et Mustafa Ali, Tyler Bate. C'est parti. Et la tenue de Mustafa Ali, on pourrait la comparer à Neckbreaker, à la tenue de Seth Rollins, il y a de cela quelques années. Oh, what? RKO de Tyler Bate. What? Ça va être deux styles totalement différents là, peut-être.
Attention, Tyler Bate, le retournement sur Mustafa Ali. Et la descente du genou. Non protégé, hein, parce qu'il n'y a pas de genouillère. Il y a une coudière. Au coup de droit. Mais sans genouillère. Et le Unrakanrana de Mustafa Ali. Unrakanrana de Tyler Bate. Oh my god. C'est beau. C'est beau. Atemi. Attention, il a sur les épaules. Oh, mais il va nous donner le tourné. En tout cas, sinon, on l'a pas Mustafa Ali. Il va l'avoir. Oh, oh. Et il fait l'autre côté. Il fait l'autre côté. Oh my god. Oh my god. Oh là là. Alors là, Mustafa Ali, je crois que là, il est fini là. Ben, même Tyler Bate. Il était un peu groggy là en l'espace de quelques secondes. C'est normal. Attention, on l'a tombé. Un dégagement, encore trop tôt. Ce sera du coup en main event que nous aurons notre Cruiserweight champion adoré, TGP. Attention, le body slam sur Mustafa Ali. Pour l'instant, Tyler Bate a pris le match en main. Il a bien commencé son match. Mustafa le repousse. Il relève. Et il le projette dans le coin. Oh, oh, ce coup de coude. Très bien placé. Tyler Bate revient avec une torsion du bras. Oh, 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 je le sens mal. Je le sens mal. Oh, the wall of Tyler Bate. Et pas Jericho. Oh, et pourtant Chris Jericho, on l'a eu hier soir hein, lors de l'épisode de Raw. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ça a été un très très bon épisode, superbement agréable à commenter, à regarder, pour ma part en tout cas. Et pour l'instant, 205 Live est bien aussi, contrairement à ceux de l'année dernière, et ou ceux qui ont été faits plus tôt cette année. Ça a été d'un ennui pas possible, c'est pour ça que je les faisais pas. Mais là, cette année, avec le roster qu'on a niveau 205, je pense qu'il y a de quoi avoir de bons shows. Niveau des Cruiserweight. Hello, Rakanrana de Mustafa Ali. Olé. Celle-là, elle était gratuite, cette petite pirouette. Torsion du bras, Mustafa Ali qui ramène Bate au sol. Le kick. Et la descente du genou sur Tyler Bate. Tentative de tomber de Mustafa, c'est peut-être bon. Un dégagement. Ah non, c'est pas bon encore. Il en faut leur plus pour mettre un terme au fabuleux Tyler Bate. Oh, monsieur moustache. Oh, jolie prise là de Mustafa Ali. Il remet vers le centre du ring. Oh 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 oh. Il est pas un peu loin là? Il est pas un peu. Il va nous faire une AJ Styles? Non. Oh là. Oh, j'étais pas prêt. Ah, je m'y attendais pas. Tentative de tomber après ce neckbreaker. 1, 2, et dégagement. Bah, c'est sûr qu'il y avait peut-être une prise un peu plus percutante que ce simple neckbreaker. Même Tyler Bate, il s'est dit, what? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attendait à un truc grandiose, et là... Oh, ce big boot dans la face. Oh, 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 ce kick là. Et le tentative de tomber. 1, 2, et 3. Oh, Tyler Bate qui bat Mustafa Ali ce soir. Oh, après ce coup de pied, apparemment, il était bien puissant. Ah, ben ça non plus, je m'y attendais pas. Tyler Bate, en un simple coup de pied, a mis Mustafa Ali down. Aussi simplement que ça. Bah là, on n'était pas prêt, je crois. Là, on s'y attendait pas. Oh my god, et la Sonic Breaker. Là, on s'y attendait pas non plus à celle-là. On a eu quelques bonnes petites surprises hein, quand même. Et là, Tyler Bates, oh, ce kick dans la... Bah ouais, ouais.
Ça a mis Mustafa Ali totalement KO, d'accord. Et bien donc, belle victoire de Tyler Bate. Eh oui, Tyler Bate, vainqueur ce soir. Mais il y a du level là. Oh ben, hey, mais Drew Gulak, qu'est-ce qu'il fout là, Drew Gulak? Il attaque Tyler Bate. Oh my god, mais qu'est-ce qu'il veut, Drew Gulak? Oh bah alors là, il reçoit une bronca pas possible. Eh, Tyler Bate qui revient avec un coup de genou. On regagnera là de Tyler Bate qui se laisse pas faire. Drew Gulak, mais qu'est-ce qu'il veut? De quoi il se mêle? Oh, encore ce coup de pied. Oh, oh Tyler, je crois que là il prend le dessus sur cette attaque. Non. Oh Drew Gulak, que le fait tomber. Oh non, 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 mais Drew, il faut arrêter, mais il n'y a pas un arbitre pour les séparer. Il abandonne, regardez. C'est pas nécessaire, Drew, c'est pas nécessaire. Oh, il est en train de se faire des ennemis là. Il va s'arrêter là, je pense. Je pense qu'il va s'arrêter là pour cette attaque. Et il vaut mieux. Oh non, ce coup de pied. Non, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Oh ben là, les fans sont déçus, hein. On est de retour. Après cette attaque, cet assaut qu'il y a eu dans le match précédent. Et là, on accueille notre WWE Cruiserweight Champion. Notre Cruiserweight Champion TJP. Qui nous vient de Los Angeles. Rien que ça. Eh ouais. Rien que ça. TJP est bien présent ce soir. Et lors de NXT TakeOver War Games 2, il défendra son titre face à Cedric Alexander. Il a intérêt à être au top, TJP. On veut un champion au top. Pour l'instant, il a un bon règne là, TJP. Ça fait de bons longs mois qu'il a ce titre. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Ah bah, il va affronter l'ancien Cruiserweight Champion juste avant lui. Un match revanche. Grand Metallic est présent ce soir. Le Mexicain. Qui vient de Guadalajara au Mexique, qui a eu un règne incroyable en tant que Cruiserweight Champion. Il a su le défendre plusieurs fois et glorieusement. Mais un jour, il a perdu ce titre et c'était face à TJP. Ce soir, il va pouvoir peut-être prendre sa revanche, hein, même si le titre n'est pas en jeu, hein, on le répète. Mais une victoire pour Grand Metallic, ben, ce serait peut-être... bon pour lui. C'est parti. Main event de 205 Live. Attention. Et le Unrakanrana de Grand Metallic. Et le coup de pied en bas du dos. Oh là, attention, attention. Oh allez. Il le promène. Coup de pied. Et le coup de pied sur le bras maintenant. Il le ramène vers le centre du ring. Le kick esquivé. TJP qui revient. Il assoit Grand Metallic. Et le kick dans le dos. Ça passe toujours bien. Ça fait plaisir. Et le kick dans le dos une nouvelle fois. Il le relève. Le kick. Non, le coup de coude de Grand Metallic. Et la clothesline. Alors, s'il y a un truc que le mode univers ne doit pas faire, c'est remettre Grand Metallic champion. Parce que moi j'ai envie de voir de nouveaux champions
Il y a tellement de cruiserweight qui peuvent être champions. En commençant par Cedric Alexander ce samedi soir. Mais autant que TGP garde le titre le plus longtemps possible. Ah, face première contre le coin. Tentative de tomber. Un dégagement. C'est encore trop tôt, c'est encore trop tôt. Oh, the running knee de TGP. Oh, c'est peut-être la fin. Non, dégagement. Ouh. Oh, il a sorti de nulle part ce coup de genou. Oh, se chasser dans le dos. Ça fait mal, c'est pas sympa. TGP qui projette Metallic dans les cordes. Oh my god! Oh, les deux pieds dans la face. Et le coup de coude, et le kick, et Metallic qui reste debout. Et le kick, non, coup de coude de Metallic. Cet homme est en métal. Et il fait tomber TGP en plus. Oh, ce kick. À nouveau. Ouf. Oh là 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 là. Lucha House Party. Car on le rappelle, Kalisto, Lince Dorado et Gran Metalik forment une équipe. Les Lucha House Party. Un petit trio mexicain. Attention, tentative de tomber un. Dégagement. Et le coup de pied dans la face. Et le coup de pied sur le bras gauche maintenant. Metallic. Qui pour l'instant essaie de prendre le match en main. Oh là. Oh, descente du coude. C'était bien fait ça. Oh, TGP quand même, réveille-toi. 1, 2, et dégagement. Voilà, 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 allez. Allez, TGP. T'es le champion. Tu vas pas te laisser battre par l'ancien champion. Oh, il a sur les épaules. Oh my god, oh, TGP qui est revenu sur ses jambes. Oh, le surchassé. C'est pas possible. TGP qui se relève avec beaucoup de difficultés. Surpassement par-dessus les épaules, allez. Oh, allez, TGP. Oh là, non. Oh my god. God, powerbomb à l'extérieur du ring. Oh là là, mamma mia, ça doit faire mal. Allez, TGP qui revient dans le ring. Oh, il est sur le haut de ce coin. Oh, TGP descend du coude sur le dos. Et le coup de poing. Oh, oh, TGP. Et le tabordé dans la face. Allez, là, c'est peut-être bon. Il remet vers le centre du ring. Tentative de tomber pour la victoire glorieuse. 1, 2, non! Dégagement simplement. Oh là là! Il s'y attendait pas. Moi non plus, je croyais que c'était fini. Je croyais que ça aurait suffi. Oh, TGP. TGP. Allez! Allez! Allez, go to sleep! Hello, CM Punk. Tentative de tomber, cette fois c'est fini. 1, 2, et 3, TGP est vainqueur ce soir face à Gran Metalik, notre champion Cruiserweight. Il gagne le match ce soir. Yes! Yes! On va voir, parce que samedi, il a un grand danger face à lui. Cedric Alexander est plus déterminé que jamais. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est vous donner rendez-vous samedi soir en direct à 21h pour NXT TakeOver War Games 2. Dimanche 20h, le kick-off des Survivor Series disponible. Et à 21h sera disponible le pay-per-view des Survivor Series. Soyez au rendez-vous, ça va être du tonnerre de Dieu. Pour ce week-end spécial Survivor Series de la WWE. Avec TGP samedi soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça a été le premier épisode de 205 Live, le retour des Cruiserweight. Ça a été un superbe show avec TGP. Bonne soirée à tous.